c'est du marbre authentique, c'est un marbre français. Donc là, l'idée, c'est de repérer un bloc assez grand, avec la bonne épaisseur, qui ne comporte pas de défaut. Donc là, on vérifie s'il n'y a pas de fissure, pas de fil dans le bloc. Et ensuite, on va le mettre sur le fil diamanté pour découper une tranche et ensuite découper une table. Là, mon fil, il est en gros entre 77,5 et 78. On est en train de régler le mieux possible le bloc. Et de toute façon, quand on va faire notre coupe, la coupe qu'on va réaliser, elle sera droite. Et ce qu'on fera ensuite dans un second temps, c'est qu'on retournera la tranche et on la redécaissera pour avoir une tranche vraiment de 3 cm partout. De matières premières est importante, surtout dans les marbres. En France, on a la chance d'avoir des marbres assez étonnants dans la géologie, dans le mélange des couleurs. C'est un marbre qui est très noir et blanc veiné. C'est un marbre qui peut être très contemporain dans tout ce qui est design moderne, on peut l'utiliser. Et il a été utilisé aussi dans l'Antiquité par les Romains qui venaient s'approvisionner dans cette carrière-là parce qu'ils jugeaient que le marbre avait une très bonne qualité esthétique aussi. Voilà.